Eh bien, salut à tous les amis, c'est IDFX, j'espère que vous allez bien. Troisième tentative pour faire cette vidéo, je n'y arrive pas. J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On reprend, c'est le retour de la série Euro Truck Simulator 2. Oui, ça fait maintenant 10 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo de Euro Truck, qu'il n'y a pas eu d'épisode, je dirais, sur cette série. Bah, la série s'est arrêtée, voilà, cherchez le mot. Ça fait maintenant 10 mois que la série Euro Truck Simulator 2 s'est arrêtée pour des soucis au niveau setup, voilà, c'était pas terrible. Donc j'avais décidé d'arrêter, entre guillemets, mais j'avais pas dit que je l'arrêtais totalement, j'avais dit que j'allais peut-être la reprendre. Et oui, bah, je la reprends. Aujourd'hui, le 05-02-2024 à 15 à 16h, voilà. Ça fait presque 2 heures que j'essaie de faire cette vidéo. Enfin bref. Voilà. Donc, bah sur ce, on va y aller tout de suite. On se retrouve tout de suite pour le jeu. C'est parti! On se retrouve pour le cinquième épisode. Eh oui, cinquième épisode sur cette série. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien de retourner sur... De retourner. De retourner sur le jeu. Pas le jeu, j'y vais souvent, mais... De refaire, de reprendre la série, rien qu'à y penser, ça me fait vraiment super plaisir. Du coup, comme j'ai foiré ma vidéo juste avant celle-là, j'ai fait une mission et du coup j'ai gagné, je sais plus combien que j'ai gagné, mais j'ai pas gagné énorme, mais bon, je suis quand même à 35 000. Donc, du coup, maintenant que, bah, comme vous l'avez vu, maintenant depuis un bout de temps, j'ai mon volant, j'ai le Logitech G29 et j'ai reçu, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo et dans mes précédents streams, j'ai reçu aussi maintenant le boîtier de vitesse qui va avec le volant. Donc je suis très content. Donc maintenant je peux conduire en bête en 1, je peux conduire en manuel. Et ça, c'est juste magnifique, les amis. Et c'est super. Pour cette série aussi, j'ai mis. Bon, malheureusement, ça va être toujours les mêmes musiques qui vont repasser. Mais pour l'instant, je peux mettre que ça comme musique. Donc c'est du no copyright. Donc pas de problème là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on peut y aller. Je vais essayer de pas faire la merde, toi, mes autres vidéos loupées. Voilà. Je peux pas vous mettre, malheureusement, j'aurais bien voulu vous mettre des extraits, des loupés, mais je les ai supprimés instantanément. Voilà. Autre chose, bon, maintenant, je pense que ça fait maintenant longtemps que vous le savez, que vous me voyez. J'ai des lunettes, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, qui se demanderaient. J'ai des lunettes spéciales anti-lumière bleue, donc lunettes gaming, bien sûr. C'était vraiment des lunettes gaming. La marque, elle est sur une des deux lunettes. Mais c'est l'édition Call of Duty MW2. Oui, donc c'est pas de la merde. C'est pas des lunettes à 1 €, des lunettes à 5 €. Non, non. C'est vraiment des bonnes lunettes gamer qui coûtent... assez cher. J'avoue que le prix est bien élevé, mais bon, vaut mieux mettre le prix, être bien et avoir la bonne qualité sur soi. Sur ce, on va aller chercher une petite livraison. Bah sur ce, on va chercher une petite livraison. On va se prendre une livraison. Mission rapide. Ah, ça fait bizarre, ça fait longtemps. Petite précision, on n'est pas en multi. On n'est pas sur Train Carapé, on n'est pas en multi, on est en solo. Peut-être que pour les prochaines vidéos, on se mettra en multi. Mais pour l'instant, on est en solo. Pour ce qui est du volant et tout ça, tout est configuré. J'ai fait toutes les configurations dans mes fails juste avant, donc on est très bien. Donc, on va se prendre une petite livraison. On va partir du Mans, je pense. Alors, non, j'aimerais bien partir de La Rochelle parce que, avec mes fails que j'ai fait juste avant, je suis parti de La Rochelle. Mais on va partir du Mans parce que c'est ma région. Voilà, c'est la capitale de ma région. Voilà. Voilà, c'est ma région, c'est mes rillettes. Voilà, la région des rillettes, c'est chez moi. Donc voilà. Donc, on essaie de se prendre une petite livraison. Alors, pas trop grande, en vrai. En vrai. En vrai. Oui, bien sûr. En vrai. Parce que ça ferait en 2 épisodes, j'aime pas trop. Donc, je vais essayer de proposer. Oh, pas beaucoup de. Mais il n'y a pas beaucoup de livraison. Hein. Ah, il propose que de la merde. Ah ouais. Ah oui, mais les livraisons, ils sont un peu longs là, mon ami. Mon ami René. Ah, c'est vieux ça. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer en camion? En livraison, pardon. Pas en camion. Ah oui, mais.
Les voyageurs sont loin, mais non. Moi, en fait, je voudrais bien les petits. Ah, ici, je m'en rappelle. Donc, attendez, je vais mettre le prix le plus bas. Hop, allez, en Espagne, en Scania. Ah, mais je viens de conduire un Scania. On a un petit man, 10 heures. Oh, 10 heures, ça fait. Loin. Fuck! Fu! La gueule! Ah, aux Pays-Bas. Encore un Scania, mais c'est un ancien cette fois. Est-ce qu'on se conduirait pas un petit Scania là, jusqu'aux Pays-Bas? Ça fait 6 heures de trajet. Bon, on fera qu'une livraison dans la vidéo, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on reprend cette série, qu'on puisse parler et tout ça, des projets. J'ai pas mal de petites choses à vous demander, à vous dire. Donc, bah écoutez, on va se prendre le petit Scania. On va se prendre un petit Scania, le Havre jusqu'à Rotterdam. Je sais pas eu le temps de voir ce qu'on livre. On se prend des palettes vides. On peut se prendre des palettes vides. Avec la flotte bien sûr sur la gueule, génial. Palette vide 22 tonnes. Soit le camion il va pas trop gueuler. Ce que je fais comme d'habitude. Hop, hop, on sait très bien. Hein. Touc, hop, on règle tout ça. Comme vous le savez. Là je vais faire hop. Tac. On y va. Voilà, je mets plus la caméra à l'autre bout, bah, trop loin, c'est pas beau. Hop, j'enlève le GPS intégré. Ça fait bizarre de conduire un ancien scanner. Scania, où j'ai bouffé le nom. Ça fait trop longtemps. Un Scania en lui-même, que ce soit nouveau ou ancien, ça fait longtemps que j'avais pas conduit. Mais un ancien, ça fait encore moins souvent. Donc, c'est un Scania R480. Ok. Le volant est tourné, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, si tu veux, hein, après tout. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est parti. Allez, hop. Hop, on met le contact. Et. Ah, P. On démarre, on met le contact. Et on démarre le camion. Ah, il fait quand même un son malgré. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, j'ai un beau petit mode que je vous ferai montrer, je pense, dans une prochaine vidéo, mais il faut que je prenne un V8 pour ça. Avec un son de V8. Mais le bruit qu'il fait, c'est juste. Pépite. Alors, attendez, ne bougez pas, je mets juste les essuie-glaces comme il faut, voilà. Je suis bien sûr en boîte en H, et puis, bah, je pense qu'on est parti. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Je vais juste faire un petit truc vite fait, hop. Voilà, pour qu'on voie bien la route. Et puis, bah, écoutez, on est parti. On enclenche. On est mort en deuxième de toute façon. Ok, let's go. Et puis bah c'est parti. Alors ça me fait chier par contre. J'avoue que ça me fait un peu chier de rouler sur la flotte, mais bon. Alors attendez, par contre j'ai oublié de faire un truc. Voilà. On va mettre les veilleuses. Alors, hop. Où moi ça copain. La benne à coupe, j'avais pas vu derrière. Faut avoir les yeux partout. Et oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ce manque de professionnel? Tu vas la fermer ta gueule! C'est ça, ouais. Mais elle coupe beaucoup là, ce mi derrière. Oula! Ah non, Théo, quatrième, s'il te plaît. Hop, y a personne à gauche, y a personne à droite. On peut y aller. Hop. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour le retour de cette série que je voulais retourner, bah, que je voulais reprendre depuis un bout de temps maintenant. Ah, si, c'est bon. Que je voulais reprendre depuis un bout de temps. Ça fait ça fait ouais, très longtemps que je veux reprendre cette série. De toute façon, pour ceux qui me suivent dans mes streams. Dans mes streams et puis dans mes streams tout simplement et même dans mes vidéos. Ça fait un bout de temps que je voulais reprendre la série mais j'étais pas encore prêt. J'étais pas encore prêt à reprendre la série. Donc parce que surtout qu'il se passait pas mal de choses dans ma vie en ce moment. Hors vidéo, hors stream et tout ça. Ma vie perso. Pardon, dans ma vie perso donc bon. Je voulais pour le retour que je sois bien, tu vois. Je voulais me sentir bien.
Je voulais me sentir bien moralement et tout ça pour reprendre la série. Pour pas arriver en mode bonjour, retour pour la série. Désolé si je suis pas bien. Non ! Ta gueule, ta gueule ! Ta gueule ! Y'a pas de ça. Ici, on reprend les choses en main. Hop, 9e. C'est parti. Donc, comme j'avais dit, on transporte des palettes vides 22 tonnes jusqu'à Rotterdam. Donc, c'est parti quoi, 6 heures de trajet. Je pense que ça va faire la livraison, ça va faire la vidéo entière. On verra bien. Donc, oula, Michel. Michel. Donc, je suis désolé d'avance si la musique est pas assez forte, si le son du jeu est trop fort, si le son de ma voix est trop fort. Comme vous voyez maintenant, je stream. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec le stream? Je suis tellement habitué à stream que je dis stream maintenant. Comment? Mais là, je sais même plus ce que je veux dire. Comme vous voyez, maintenant je stream plus avec. Avant, si vous vous souvenez bien, j'enregistrais, je capturais avec Windows G. J'appuyais sur touche Windows et plus G. Que maintenant, voilà, j'ai un PC qui me permet de pouvoir stream un peu aussi. Et de pouvoir tourner les vidéos. Pour ceux qui se demanderaient c'est quoi comme PC que j'ai maintenant, c'est un Lenovo. Un PC, un Lenovo, en gamer bien sûr. C'est mon frère qui me l'a offert. C'est son ancien, voilà, c'est pas un PC neuf. Enfin, neuf, il est quasiment neuf, hein. Il a servi longtemps, mais il est comme neuf. Il marche toujours aussi bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un PC, un gamer, hein, bien sûr. C'est pas un comme j'avais avant. Passe à 9e. Merci. Pour ceux qui se demandent, du coup, c'est un Intel Core i5 de 9e génération avec une GTX, une Nvidia GTX 1050. Voilà pour ceux qui se demanderaient. Là, tu vois, Rotterdam, je le fais tourner en moyen. Là, je suis vraiment en moyen au niveau des graphismes. Plus haut, il bug un peu, il est pas fluide du tout. Donc voilà, je le fais tourner en moyen. Je préfère avoir un jeu un peu moins beau, mais avoir un jeu fluide, qu'un jeu, tu vois. Comment dire? Je préfère avoir un jeu plus beau, mais tu vois, le PC bug trop. C'est pour ça que je préfère avoir un jeu un petit peu moins beau, un peu moins fin et tout ça, un peu moins joli sur les graphismes, mais qui fait tourner, tu vois. Mais là, honnêtement, avant, je faisais tourner en moyen. Oh là là. C'est bon, ça passe. L'accrochage qu'il y a eu. Je faisais tourner en moyen. En plus faible avant. Bah, sur le PC de ma copine, je faisais tourner en faible custom, on va dire. C'est-à-dire, j'étais en faible, mais ça allait encore. Et sur mon PC, mon Lenovo à moi. Non, c'est bon, je suis en 12e, Théo. T'as pas de 13e. Sur mon PC à moi, que j'avais, mon Lenovo, que j'avais à l'époque, mon i3. Je le faisais tourner plus bas possible. Hein. Bon, était dégueulasse le jeu. Mais même au plus bas, il avait bien du mal à le faire tourner. Que là, tu vois, je suis en moyen. C'est juste parfait. C'est magnifique. Donc voilà. J'espère que le retour de cette série va vous plaire, en tout cas. J'espère que vous êtes content. Vous allez être content de. Bah, non, j'espère que vous êtes content qu'il y a un retour. J'espère que vous êtes content du retour de cette série. Ça sera pas un retour, tu vois, d'une vidéo et après il n'y en a pas pendant 3 mois. Non, là je vais vraiment reprendre les vidéos le mieux possible. Pareil, j'aimerais bien recommencer une série farming. Mais je sais pas encore si vous voulez déjà. C'est pour ça que n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je refasse une série farming. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je refasse une série Minecraft aussi. N'hésitez pas à me dire ça. Ça me ferait vraiment très plaisir. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est la plupart sur ma chaîne YouTube, c'est toujours les mêmes jeux. Oh la putain. Oh, yeah.
Bah ça s'est fait. Super. Ça c'était pas du tout prévu. Ça, ce n'était pas du tout prévu. Ah, ok. Super. Du coup, voilà. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, sur ma chaîne YouTube, c'est très très plat. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes vidéos. C'est toujours du Rocket. C'est toujours les mêmes jeux. Et merde, j'en voudrais. Merde, quoi. Merde, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer. Bah, j'ai envie de. De faire des. Pas des nouveaux jeux, parce que c'est pas de nouveaux jeux, c'est des jeux que j'ai fait. Mais j'ai envie de reprendre en fait les jeux que je faisais. Comme là, Rotrunk, comme Farming. Et j'aimerais bien reprendre Minecraft. Vraiment. Parce que certes, Rotrunk et Farming, je suis d'accord avec vous. Farming et Rotrunk. Il est en stream. Ça, c'est pas ce qui manque au niveau de ça. Mais j'aimerais bien refaire une série. Je vous avoue, j'aimerais bien refaire une série. Alors, autant que c'est bon. Mais Farming, j'aimerais bien recommencer une série. Sur PC. Bien sûr, Farming. Et Minecraft, c'est pareil. J'aimerais bien faire une série sur PC aussi. Pour qu'on voie ma gueule. Tu vois. Donc, j'aimerais bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Moi, honnêtement. Très très chaud, c'est pour ça que je vous le propose, sinon je vous le proposerai pas si ça m'intéresserait pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me ferait très très plaisir. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Bon voilà. Voilà. Oh, freine toi. Ça me ferait vraiment plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pareil, pour Rotrunk, comme j'ai dit, j'ai pas faire que du solo, c'est-à-dire avec le trafic. Je vais aussi, reprendre, je vais peut-être, pas tout le temps, à part si vous me le demandez, mais sinon, je ferai peut-être pas un épisode sur deux, mais un. Il y a des accidents de partout là aujourd'hui. C'est quoi ce merdier? Merde, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu dans les vitesses. Accident sur accident aujourd'hui. C'est accident sur accident. C'est chiant. Ah, chiant. Non, c'est bien, c'est réaliste. Ça change un peu. Merde, du coup, je veux dire quoi? Ah, je sais plus. Voilà. Super. Ah, je sais plus. Ah oui, je disais... Non, c'est même pas ça que je disais. Si, oui, que j'aimerais bien recommencer une série sur Minecraft et... Si, je crois que c'était pas de ça. Bon, on va partir de là, pas grave. Si on se recroise... si on recroise les phrases, c'est pas grave. En contre, la camion, j'ai pas eu tout la bonne boîte de vitesse. Yes. Parce qu'en 10e, je suis déjà à 12 kg... En 10e, je suis déjà à 90. Le camion, il est pas en sur-régime, il est en sous-régime. Ok, si tu veux. D'ailleurs, si, c'est un autre truc ça que je voulais vous dire. Oui, bon, je sais, je commence mes phrases, je les finis jamais, c'est mon défaut. C'est rigolo, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça, je pense que c'est une vidéo qui peut intéresser quelques personnes, certaines personnes. Est-ce que ça vous intéresserait bien sûr, quand j'aurai bien pris le levier de vitesse et quand j'arriverai bien à passer vitesse sans faire de la merde et tout. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse
Putain. Est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, que je vous fasse une vidéo tuto? Ou alors, peut-être pas tuto, mais. Merde. Peut-être pas une vidéo tuto, mais une vidéo démonstration. Comment passer les vitesses? Ou alors, bah. Ou alors. Peut-être pas. Non, c'est une vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait? Je vais y arriver à parler, hein. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse soit une vidéo tuto, où j'explique comment passer les vitesses et tout ça? Parce que faut bien vous dire, parce que vous allez dire, ouais, mais moi j'ai le permis, je sais comment passer les vitesses. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est un camion. T'as 12 vitesses à passer. Et si t'as des bois de vitesse, t'as des fois t'as 16 vitesses à passer. 16, hein. Et c'est pas la même chose. Tu vois, ça, c'est pas du tout les mêmes chevaux, ça réagit pas pareil, un camion. Donc c'est pour ça que. Donc c'est pour ça que je vous demande ça. Est-ce que ça intéresserait une vidéo tuto où je vous explique bien comment passer les vitesses? Ou comment ça se passe? Ou est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo? Pas spécialement où je parle, mais que je vous fais montrer avec différents angles de caméra, bon ça je peux me démerder, au montage, pour vous faire montrer comment je fais pour passer mes vitesses et tout. Bon, pour l'instant, non, je ferai pas de vidéo genre de comme ça, mais c'est plus tard. Ça c'est un truc que j'aimerais faire plus tard. Oula. C'est un truc que j'aimerais faire plus tard. Quand j'arriverai vraiment à passer les vitesses correctement et tout ça, sans faire de la merde. Parce que quand je dis que c'est pas une, comme une voiture, c'est-à-dire tu passes pas au même régime moteur qu'une voiture, tu vois. Et une voiture, tu passes une par une les vitesses. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'un camion, c'est totalement différent. T'as 12 vitesses. Et la plupart des vitesses, tu les passes 2 par 2. C'est-à-dire que si vous avez bien remarqué, la plupart du temps, je démarre en deuxième. Attendez. Mais non. Onzième, t'es où? La plupart du temps, je passe deux vitesses par deux vitesses. C'est-à-dire, je saute une vitesse à chaque fois. Par exemple, si vous avez bien remarqué, vous remarquez le compteur des fois. Je passe de la deuxième à la quatrième. Ou la quatrième à la sixième, comme ça. Ou à des fois, voilà. Je vais vous donner un meilleur exemple. Quand je démarre en première, je fais pas 1, 2. Je fais 1, 3. Tu vois? Voire 1, 4 à des fois. Tu vois, je saute des vitesses à des fois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, admettons, je vais faire. Bon, je vais prendre mon exemple parce que moi, c'est ce que je fais. Je fais 2, 4. Oui, si, 2, 4. Donc, je saute la troisième, je la passe pas. Et de la quatrième, je vais à la sixième. Tu vois? Je passe les vitesses 2 par 2 sur un camion. Tu vois, sur un camion, tu passes 2 vitesses. Et si tu essayes de passer une vitesse par une vitesse comme sur une voiture, tu vas que le camion il va pas du tout aimer. Tu vas faire être comme même si tu passes une vitesse, il sera toujours en sur-régime. Parce que ça pas du tout, ça réagit pas du tout comme une voiture. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on me dit, oh, c'est plus facile ton jeu pour passer une vitesse. Viens à ma place. Viens à ma place. Tu vois. Bon après, honnêtement, c'est pas pour moi. Ça, je sais qu'on. Certains ils vont me le dire, arrête de t'auto-sucer. C'est pas que je m'auto-suce, mais j'ai regardé. Ah merde, je crois que c'était un gros virage. Je suis vachement concentré sur la conduite, moi. J'ai tellement regardé de vidéos de Road Rank, et j'en regarde toujours. Que je suis habitué, tu vois. Et je regardais attentivement avant d'avoir ça et de faire la même chose. Je regardais attentivement comment ils passaient les vitesses, les gens. Et ils passaient tous. Ils sautaient tous une vitesse. C'est-à-dire, ils faisaient deux par deux les vitesses. Tu vois ce que je veux dire? Bah, comme là, je vous expliquais en fait. De la première, de la deuxième, ils passent à la quatrième. De la quatrième, ils passent à la sixième. Tu vois, ils sautaient une vitesse. Tenez la gauche. Et parce que sinon, si j'aurais jamais regardé de vidéo. Merde. Ça, c'était bon, c'est pas prévu. Si j'aurais jamais regardé de vidéo, j'aurais fait comme ça aussi. Ça, la première, deuxième, troisième, quatrième. Tu vois, j'ai failli bouffer le bordel. J'ai failli bouffer le terre-plein. Hein, vraiment, tout va bien. Tu vois. Mais ça, là-dessus, je peux le dire. Et il y en a qui vont dire que je m'auto-suce. Mais j'ai regardé pas énormément de vidéos parce que j'adore regarder les vidéos de Road Rank. Du coup, bah, je sais comment
Je sais comment passer vitesse, tu vois. Bon. Ça veut pas dire que je sais passer vitesse. J'ai aucun problème pour passer vitesse. Hein. Bon, je pense que vous voyez, j'ai du mal à... J'ai du mal, tu vois. Il y a certains moments, je fais de la merde. Ouais, j'ai des moments, je sais pas quelle vitesse passer. J'ai... Voilà. Parce que je suis pas encore habitué à 100%. Et chaque camion est différent. Il y a des camions, tu vas les passer plus vite que certains. Voilà. Ça a rien à voir. Et si le bruit que vous venez d'entendre, c'est d'ailleurs pour ceux qui demanderaient, ceux qui connaissent pas spécialement les camions, le bruit que vous venez d'entendre, c'est le frein moteur. Oh, eh, tu me laisses passer derrière toi? Donc, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le frein moteur? Bah, comme son nom l'indique, c'est un frein moteur. C'est rigolo, voilà. Yes, j'espère que je vous ai aidé. Non, mais c'est un frein moteur, c'est-à-dire qu'en fait, ça bouche les échappements. Donc, du coup, ça. Vous inquiétez pas, ça nique pas le moteur. Hein. Sinon, ils auraient jamais rajouté ça. Sinon, ça aurait jamais existé. Ça dommage pas votre moteur. Mais ça vous ralentit le camion. Tu vois. Le but. Merde. Ah oui, bien Théo. Ça, c'est géant ça. Ça, c'est très très bien. De passer la 12e sans briller. Hein. Bah, sans débriller. Enfin, bref. Et oui, du coup, le frein moteur, comme on l'indique, sert pour freiner, quoi. Pour freiner le moteur, pour le ralentir. Ah, le frein moteur, oui, quand ils disent frein moteur, c'est plus un ralentisseur. C'est plus pour ralentir que freiner, mais... Parce que t'actives ça, le frein moteur, du coup, ça le ralentit, mais tu freines quand même avec le pied. Hein. Si tu comptes freiner vraiment à fond, bah que avec le frein moteur, non. Autant que tu mettes le frein moteur 100 mètres avant, même plus que ça. Hein. Mais le largement avant. Tu vois, si t'as un payage là, et que toi t'es là-bas, bah active-le tout de suite. Hein. Parce que surtout si t'as une livraison très très lourde au cul. Tu vois, rien que tu vois là, tu vois, rien que 22 tonnes déjà. Bon, voilà. Excusez-moi pour le bruit de volant que vous entendez de temps en temps. C'est le retour de force du volant qui est chiant. Qui fait du bruit. Mais du coup, voilà. Après, comme dit, je connais pas. Je connais pas tout. C'est-à-dire que je connais pas tout sur les camions. Ça va jamais le faire, ça. Allez, tout. Si. Tu me laisses passer? Tu me laisses ou merde? Mais je connais pas tout sur les camions, faut pas croire. Je connais vraiment pas tout sur les camions. Hop 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 hop. Je connais, comme l'agricole, je connais plein de choses, mais je connais pas tout. Après, si vous demandez comment je connais certaines choses sur les camions ou sur l'agricole, c'est très simple, hein. Déjà par connaissance. Bon, l'agricole, ça c'est un petit plus parce que j'ai toujours été bercé dedans. Mais les camions, c'est un jeu. Autrement que c'est un jeu que je joue depuis longtemps. C'est un jeu, je crois que j'ai commencé pas loin d'abord. À sa sortie, je crois que j'ai vraiment. Bon, j'ai pas joué non plus depuis. Tu vois, j'ai fait des grandes pauses et des pauses et tout ça. J'ai arrêté de jouer pendant longtemps et tout ça. Et tout ça, mais je veux dire. J'ai commencé à jouer à Roadrunk vraiment à sa sortie. Tu vois, là je freine même pas. Frein moteur. C'est vite d'appuyer sur le frein et que ça te fout des. Bah, que ça te cale le camion d'un seul coup. Hop. Après, pareil pour Roadrunk. Là, vous voyez, j'ai le pommeau de vitesse d'origine du de vitesse. Mais si je veux, je peux acheter un comment on appelle ça? Merde, un shifter comme les camions.
C'est-à-dire une vraie, bah, un vrai pommeau de vitesse comme sur les camions. Donc en fait, où t'as le tch, tu vois, t'as un petit bouton derrière, t'as un. Bah, ça dépend des camions, mais t'as un bouton derrière pour passer à la vitesse. Pour passer l'étage, au lieu d'appuyer sur le, comme moi sur un bouton, pour passer l'étage sur, sur le volant. Au lieu de passer l'étage, t'as le bouton sur le levier de vitesse et tu galères beaucoup moins. Mais ça coûte entre 70 et 80, je crois, à peu près le prix. Ça, c'est cher. Mais j'aurai ça plus tard. Mais je pense que je ferai jamais, je mettrai ça jamais sur ce boîtier de vitesse là. Soit je mettrai ça jamais, bah, soit je mettrai jamais, ou soit j'arrangerai, mais. Je verrai bien comment je ferai. Pour l'instant, la priorité là sur mon setup, honnêtement, ce qui me manque sur mon setup là actuellement, c'est ma chaise. Vraiment, parce que j'ai mal au cul. Là où je vous parle, j'ai vraiment mal au cul. Le dos ça va, mais c'est le cul. Ouais, du coup, je disais ma chaise. Bah, puis mon bureau. Tenez la droite, puis tournez à droite. Putain, merde, j'avais pas dû me mettre là. Tournez à droite. D'accord. J'ai bien appuyé sur l'embrayage, j'ai aucun problème. Puisque monsieur est pas d'accord sur quelque chose. Vous voyez que des fois c'est pas spécialement de votre faute. Hein. Oh. Allez tout droit. Ok. Bonsoir. C'est ce que je disais en stream tout à l'heure. Ah oui, ma cale en plus. Oui. Oh. Les fails, c'est ce que je disais tout à l'heure en stream en plus. S'il n'y a pas de fail dans mes streams ou même dans mes vidéos, c'est pas moi. C'est pas Idéfix. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pas moi s'il n'y a pas de fail dans mes vidéos. Tout simplement. Bon, enfin bref, on est arrivé enfin. Nous sommes arrivés à destination. Nous sommes arrivés à bon port. À bon port, à bon port. Hop. Donc pareil d'ailleurs, si vous passez les vitesses deux par deux, donc si vous en sautez une à chaque fois, sans parler de mauvaise chose, bande de cochons. Vous enlevez, vous sautez une vitesse. Pourquoi j'ai éteint le camion? Non, si je l'avais allumé. Vous sautez une vitesse aussi quand vous rétrogradez. Hein. Hop, merci de l'autre sens. Hop, bon je suis pas très bien garé, oui je sais. Mais voilà, hop, on est arrivé. Ah, on décroche tout ça. Et hop là. Bing, ding, ding, ding. Et hop là, presque niveau 4. Néophyte.
carrément. Et on a gagné du coup au total 6451 euros et 6,75 XP. Et bah écoutez, sommes à 35 minutes de vidéo, ça me paraît très très bien pour un épisode. C'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est parfait, c'est entre les deux. Sur ce, de toute façon, les vidéos retournent, j'ai envie de te dire. On peut pas faire... on peut... comme on veut, on va dire. Voilà. À moins de faire des coupures, à moins de faire du très gros montage. Et là, c'est... c'est caca. Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que le retour de cette série vous plaira. Moi, comme vous voyez, je souris encore. C'est... non, je vous jure que j'en fais même pas exprès. Je suis vraiment très très content de reprendre cette série. C'est un truc de fou, surtout maintenant. Voilà, avec un bon... j'ai quand même... vraiment, je vous le dis honnêtement, j'ai un bon setup. D'ailleurs, une vidéo setup va arriver de... quand je vais avoir ma chaise gaming. Je vous ferai pas de vidéo setup quand j'aurai mon bureau. Parce que mon bureau, je sais pas, vraiment, c'est pas tout. C'est pas pour l'instant, pardon. Je vous ferai vraiment une vidéo setup quand j'aurai reçu. Hop là, quand j'aurai reçu ma chaise. Et puis voilà. J'espère que vous avez été heureux de me revoir sur votre train. J'espère que vous êtes heureux de me revoir sur votre train. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oh là 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 là! Fuck! Voilà, voilà, voilà. Même les outros, j'arrête même pas à parler. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bien sûr. Et n'hésitez pas à répondre à tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, aux petites questions, ou petits trucs comme ça. Et puis voilà. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'espère qu'on va me répondre en commentaire sur la série série Farming et Minecraft pour voir si je refais une série sur ces deux jeux-là ou pas du tout. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Content. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était IDFX. Bisous, bisous tout le monde. Faites attention à vous et votre petite famille. Bien sûr. Bisous, bisous. Attention. Attention.